Acte 1, scène 1, les précieuses ridicules. Il est bien nécessaire, vraiment, de faire tant de dépenses pour vous graisser le museau. Tout rêveur est mélancolique. Il cache un temps sa passion à l'objet aimé. Et cependant, durant plusieurs visites, où l'on ne manque jamais de se mettre sur le tapis, une question galante qui exerce les esprits de l'assemblée. Je veux être maître absolu. Coupé. Pour la scène 2, on va faire quelques changements, c'est-à-dire que tu vas me mettre ici. On inverse la scène des porteurs. Les précieuses ridicules. Que j'exposasse à vos poids de mes plumes aux incluments de la saison pluvieuse et que l'on soit coupé. Non, non, oh, non, ça va mon grand. Mais c'est quoi cette chaise? Pourquoi mon pied était fixé au scotch? Tu me répares mon pied, clou, marteau. Allô, allô mon grand, t'es là? Allez, fiche le camp, toi. Et heureusement qu'il y en a un d'efficace, hein. Bien joué, papy. Continue là, je suis là. Ok, tout le monde se met en place, on va reprendre. HMC, poste. Mise en scène. Poste. Ok, silence sur le plateau. Ok, moteur. Ça tourne. Putain, mais tu as juste à faire ce clap, tu as mais c'est le clap encore. Mais on le fait à chaque fois. Mon premier assistant, tu as une chose à faire. Allez, là, là. Acte 1, 7, 4, Georges Dandan. Demander de l'argent à une personne, ma qualité. Allez. C'est ainsi qu'on paye les pauvres gens. Nous avons la chaîne. Ah, il est vrai que la chaîne, c'est un retranchement merveilleux contre les insultes de la boue et du mauvais temps. Ils me rendent tous visite. Et je puis dire que je me lève. Non, non, mon grand, non. Mon grand, j'ai pas le temps à t'accorder pour ça. On l'a déjà répété, t'es pas obligé. Moi, j'aurais la prime de fin. Allez, on le met. Allez. On me le maquille, celui-là. Ça dégage. On dans 10 secondes, s'il vous plaît. Je veux tout le monde prêt. Le précieux ridicule. Oh oh. Regarde. C'est dit. Deux mascarilles en moins, hein. Deux mascarilles. Allez, on me le maquille, etc. Allez, 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 on m'a tu me réunis tout le monde, moi tu me réunis tout le monde. C'est neuf, Guy de Maupassant. Action, attachez un peu sur ses gants la réflexion de votre odorat. Allez me chercher la cantinière là. T'es un assassin, un mangeur de vaches, un égorgeur de bébés moutons et un électrocuteur de poulets. On a personne en précieuse là. Mais madame Adjani. Non, 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 tu me prends pas madame Adjani, tu me prends quelqu'un d'autre. Ouais. Tenez madame Adjani, à votre... Je ne vois que de la scène Pellegrino. Est-ce que j'ai l'air de faire du 36? Je fais du 34. Vous retournez avec vos chiffons et vous m'arrachez ça. Vous m'avez coupé une ligne là. C'est pas possible. J'en ai marre, j'ai été qu'est-ce qu'il veut Picasso? J'ai pas besoin de ça, enfin, vous voyez bien. Allez, allez, on rentre chez moi. Alors maintenant, vous me laissez faire, vous m'entendez? Quoi? Oh, mais comment c'est vous? Ah, mais vous m'entendez? Toi, Corinne. Tu connais le texte? Non. Parfait. On me la maquille, on me l'habille. Tu vas être parfaite. Mais c'est ça qu'il me fallait depuis le début. Ma chérie. HMC. Poste. Mise en scène. Poste. GGG. Poste. Ah oui, le nom. Acte 1, scène 10, les précieuses. Ridicule. Vos attraits exigent leurs droits, Seigneur Yo. Sur toutes sortes de personnes. Derrière de la tête, y êtes-vous? Ah oui, je sens quelque chose. À la table de gravelines. Ah aussi, il y a 3 heures que nous cherchons. Sortie. Quelle horreur. Tu as dit comme ça, marquis. Coupé, c'est une fin de tournage, merci. Salut Mika, ça mousse.